Et salut à tous et au fait qu'aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle série de Destiny 2 avec le DLC Redégat qui est enfin sorti et on lance directement dans la campagne, on y va, on n'a pas de temps à perdre, dernier appel, on lance la première mission, la prison des vétérans, c'est parti dans le récif, on y va, on va voir un petit peu ce que ça va donner, mais voilà, genre ça doit s'entendre, j'ai le sourire, j'ai la hype, je suis très heureux, en plus j'ai un petit peu analysé tout ce qu'il y a dans le menu etc, et il y a plein de choses qui donnent vraiment envie. Bien évidemment, si vous voulez pas vous faire spoiler, je vous invite pas à regarder la vidéo, hein, parce que ça va être uniquement la campagne etc, jusqu'à la fin, hein, donc jusqu'à bon, voilà, hein. Et en tout cas J'attends de voir un petit peu la durée de la campagne, parce que c'est un truc qu'on n'a pas spécialement eu d'information, est-ce qu'elle va durer genre 2-3 minutes ou pas. Petite cinématique. Eh bien, c'est un peu gênant. T'aurais pas un flingue à me prêter? Non. Mais... j'ai une balle avec ton nom écrit dessus. Mon partenaire va débarquer 10 minutes à l'autre et vous allez tous mourir. Tous. Quant à toi... ça va faire mal. Dernier mot. Comment va ta sœur? Ah ouais, ça annonce vraiment la couleur dès le début, genre... au début, je pensais qu'il allait y avoir un petit enchaînement d'événements, etc, mais... waouh! La prison des vétérans un peu plus tôt. Ok, donc c'est ça que j'ai... ok. Ok, bon, on va voir un petit prologue de la situation, de ce qui va mener tout simplement à l'exécution de Cade. Et là, le fameux... ouais. Ok, c'est nous, avec Cade. Heureusement que j'ai mis ma plus belle tenue pour l'événement. Petra, oh Petra Venge. Merci pour l'invitation. Vous amenez quoi, cette petite fête? Comme d'habitude. Oh, faites-nous votre truc. Sérieux, regardez ça. Ouh, ça me fera toujours flipper. Encore une fois. Plus tard, si elle tend. Pour le moment, les prisonniers sont déchaînés. Heureusement, l'arène principale et les niveaux inférieurs sont verrouillés. Un petit sidehow. Si les principales nous lâchent, les retenir pourrait s'avérer difficile. La routine habituelle, en gros. Ok, l'ami, c'est comme un riff de blues en do. Je vous montre le rythme et essayez de suivre. Allez, c'est parti! Yeah. Let's go! Ça y est, c'est le moment où on commence. Voilà. Vraiment envie de danser. Il faut mettre un terme à cette rixe. Si ces assassins s'échappent, le récif risque de tomber. Séparons-nous. Ok. Et à la une, à la deux. Oh bah c'est parti, hein. Petit chasseur pistolero, on est parti. Ok. Ah, le début, c'est la guerre et tout. Hein. Wow, Petra, j'adore vos petites sauteries. Alors, l'IA est un peu stupide. Genre, qu'on se le dise directement. Hein. Voilà, le feu, ça brûle. Genre, les IA sont littéralement allés dans le feu, tu vois. Genre. Là, franchement, c'est... vous savez, cette sensation, c'est comme un enfant qui découvre son cadeau, tu vois.
Genre là je suis comme ça là. Voilà, là j'ai 10 ans. J'ai 10 ans et je suis trop heureux d'avoir mon petit jouet, tu vois. Alors pour que si qui demande le loadout, c'est une petite promesse sombre. Hein. En principal, revolver. Petit impulsion du raid. Ah mec, j'ai mon super là. Histoire d'éliminer très rapidement ce petit pote. What is going on? Hey, qui fait sauter des trucs sur moi? Je vais aller voir cette explosion. Rejoignez-moi quand vous le pourrez. Ok. Le plus tôt sera le mieux. L'explosion a ouvert quelques cellules en plus. J'ai... Ouais, je suis à tombe, on peut pas les... Non, on peut pas faire de dégâts, ok. J'ai hâte de découvrir un petit peu tous les secrets et les mystères que regorgent tous ces nouveaux lieux. J'adore le travail de terrain. L'explosion a détruit la sécurité sur les ponts inférieurs. Je vais aller vérifier les prisonniers de Mark. Ouais. Vous et Cade, allez au centre de sécurité. Rétablissez la sécurité. Vous en voulez, madame? Eh. Mais... Ok, bon tant pis hein. Je prends par le haut, vous par le bas. Alors je vous invite vraiment à mettre, je sais pas, à vous caler tranquille. Hein. Parce que vraiment la bande son est plutôt stylée. Hein. Franchement, bande son archi stylée. Un plaisir de jouer, genre vraiment de... Voilà, genre cette sensation, y'a rien de mieux. Alors pour ceux qui veulent savoir est-ce que je vais faire le let's play, etc. Alors il y aura une partie épisode, donc comme ce que je suis en train de faire là actuellement. Et une partie, comment dire, une partie en live où je montrerai... Tous mes caractères, hein, tout mon niveau perso, etc. Genre le titan et l'arca en live, donc le retour des lives, bien évidemment. Ok, en plus j'ai mon super, c'est parfait s'il y a un petit mob, parce que tout à l'heure je pense qu'on pouvait pas spécialement l'éliminer. Ok, on peut pas passer, j'allais dire, mais... Ok. Holy sh... Je dois dire que je ne me suis jamais autant amusé de toute ma vie. Ah là là. C'est... étrange comme sensation de... De le voir là, tout souriant et genre tout simplement on a déjà plus ou moins assisté à son élimination. En tout cas, j'ai pas spécialement de difficulté au niveau de la lumière, donc. Mais par contre, l'IA est totalement stupide, hein, genre c'est vraiment. On a jamais eu d'IA comme ça, genre. Il marche littéralement à travers les flammes. Ralentissez, j'ai l'air de quoi, moi? Pas dans la tête, pas dans la tête! En train de regarder ce qu'il y a en haut, là, et... Regardez cette IA, genre. Ils sont tous embrasés, genre. Je sais même pas si j'ai le 3 coups ou le 6 coups. Ouais, je pense pas qu'on puisse spécialement l'éliminer.
J'imagine que c'est par là, non? On a quoi par là? Ok, c'est le chemin inverse, ok. Donc. Toujours, faut toujours aller où son instinct indique, mais des fois c'est pas le meilleur. Je sais pas s'il faut l'éliminer, elle. Ok, c'est un 3 coups. Let's go. Petit triple headshot avec un lancer de couteau. Bien reçu. Rien ne marche. Je vais devoir faire un détour pour arriver au quartier de haute sécurité. Il y a tout qui pète en fait, genre. C'est pas une évasion là, c'est pas ce que t'avais prévu. Oui, toi. Rectification, c'était tout à fait prévu. C'est sûr en plus, genre je m'en suis... Alors ça c'est l'avantage, c'est que... Pour quoi ça s'appelle? Pour m'éviter tout... toute cette non-excitation, non-hype, non-réaction, etc. Je me suis pas du tout... Il combat quoi, d'accord. D'accord. Les mobs me tirent dessus alors que... Eh, c'était mon XP ça, monsieur. Oui, parce que je le rappelle, hein, niveau 50, niveau maximum de ce DLC. Hein. Ça fait beaucoup de balles quand même là. Oui, donc comme je disais, genre je me suis évité de tout spoil aussi bien que l'histoire, que de comment allait se dérouler chacune des missions, etc. Genre. Allez, ouvre la porte. Ah, ah, thank you, mon bro. Il ne manque plus que le coup de grâce. Je sais pas pourquoi, mais il y a des trucs qui vont... Des trucs qui vont sortir de là. Qu'est-ce qui arrive au plancher? Ah, la ruche salit tout ce qu'elle touche. Dégagez-les de là, vous voulez bien? On va essayer, mais qu'est-ce qu'il faut faire? Infestation ruche, ok. La mémoire tampon. Oui, évidemment. Juste un truc. Comment on fait? Appuyez sur le bouton. Ok. Ils sont tous rouges. Alors appuyez partout. Nice. Personne ne me bat ce jeu. Oubliez ce que je viens de dire. Ça n'a pas... Ok, c'est pas fini. On s'en occupe. Allez-y. Temps des péteux, ouais. Let's go. Ça
aller. Ah. Et ne te relève pas. Ça risque de peut-être moins bien marcher, mais... Bon, tout est bien comme il faut. Mais ça me demande quand même une sorte d'activation secondaire. Il devrait y avoir un terminal utilisable sur les passerelles. Je vous couvre, dès que j'aurai réussi à faire fonctionner ces tourelles. Au fait, on fait une bonne équipe, tous les deux. Je m'occupe de cette porte. C'est bizarre de se dire que là, dans quelques instants, c'est... C'est fini pour lui. Genre, c'est... C'est un adieu qui va s'opérer. Tu vois, c'est bizarre quand même. Alors, vous pensez quoi de mes nouveaux flingues ? C'est avec nous, ça ? Ça a l'air d'être avec nous, hein. Bonjour la Petra, on va vous ouvrir un chemin vers le quartier de haute sécurité dans un instant. En charge, l'ami. Vous inquiétez pas. Bien compris. Oh, premier équipement. Attendez. On va voir un petit peu ce que ça donne. Oh, d'ailleurs, j'ai eu un autre équipement aussi. Ah oui, mais je peux pas équiper, d'accord. Et, ah, je peux pas l'équiper non plus. Bon, bah, c'est génial. Alors le petit devoir des gardiens, donc c'est un petit contrat que j'ai ramassé à la tour. Je crois que j'ai raté mon dernier coup parce que le mob m'a poussé. Oh. C'est vilain ça. Let's go. Je suis devant une porte verrouillée. Vous avez des infos à me donner ? Pour l'instant, on est bien. Je pouvais les éliminer. Intéressant ça. On dirait que l'affaire est classée, les jeunes. Je vous paie les ramène. C'est une énorme prison, hein. Ne rigole pas. Hein. Je dois juste vérifier un dernier truc. Qu'est-ce que c'est que ça? Je sens pas cette histoire. Oh. Ça vous rappelle quelque chose pour les joueurs de D1? Non, non, non. Kate, il est parti. C'est pas une mutinerie, mais plutôt une évasion. Le sas au point zéro. Si bas, c'est le seul moyen de sortir. Ils vont s'échapper. Pas si j'arrive avant vous. What the heck?
Qu'est-ce qu'il nous fait? What? Et même elle, elle a dit what the f... Ok. Le fameux trailer du barreau de donneur de Pistolero. Ah, je me suis jamais senti aussi bien. Vous avez vu ça, Petra? Petra? J'ai dû dégommer les relais de communication à l'atterrissage. Et balancer la musique sinistre. Ok. Tout le monde retourne dans sa cage. J'ai dit... tout le monde dans sa cage. Non, je suis en colère. C'était tout ce temps. Vous êtes capable? Tu peux m'aider, la copine? Cade, Petra, que se passe-t-il? Ouais. Répondez, Cade. Eh, content de vous revoir. Nous avons fait une chute d'une vingtaine d'étages. Et je n'arrive pas à contacter Cade, ni Petra. Je maintiens le fait que... que c'est trop bizarre. Une traînée d'éther. Méfiez-vous des déchus fugitifs. Il y a un truc qui cloche avec cet éther. Vous comprenez ce que je veux dire? Genre... c'est bizarre que... genre il peut carrément lui coller une balle en pleine tête et il a quand même pas, il a quand même pas tiré. Genre ce... quoi qu'il arrive, je vais le dire à chaque fois que je, vois, je verrai la cinématique. Je trouve ça bizarre. Voilà. Sachez-le.
Oh. Il y a une chose en liberté, tout près d'ici. Ok, les nouveaux ennemis. Non, faut faire gaffe à eux parce que... Enfin voilà. Ils sont plutôt... Tout à l'heure c'était vraiment des petits ennemis bidons. Hein. Là, ils avaient quand même plus énervé. Rentre chez toi, toi. Fais dodo, mon petit. Ces choses, c'était des déchus avant de devenir comme ça. Enfin, on se croirait qu'on va vraiment dans la prison des vétérans, mais de D1. Là. Les déchus ne sont pas devenus comme ça tout seuls. Bon, c'est la même prison, vous allez me dire. C'est normal, tu vois, alors. Mais par contre, faut arrêter les screamers comme ça, genre. En soi, tu vas me dire, oui, c'est la même prison, etc. Je suis d'accord, il n'y a pas de souci sur ça, c'est, je suis totalement d'accord. Mais je veux dire, pour le style, quoi. Je détecte de l'activité en dessous de nous, mais je n'ai toujours personne à la radio. Ok, donc là c'est Fiesta Bamboula, tout le monde rentre dans ces cages là. J'ai peur quand même de les mêler, genre. Je sais pas si ça peut. Attendez. Plus nous descendons, plus il y a de cet éther altéré. What? 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 Alors, on n'est pas. Ok. Soit je suis sous coque ou quoi, mais il y avait bien un truc qui volait invisible. Ok. Ça a l'air d'être ces choses. Ok, c'est les fameux mobs qui se téléportent, etc. Ok. Ah mais je crois que quand ils sont en espèce de déphasage, on peut pas les toucher quoi. Intéressant à savoir ça. Intéressant. Et effectivement, on peut pas les toucher quand ils sont en déphasage. D'ailleurs, j'ai toujours pas level up en y pensant. Vous allez me dire, mais attends, tu voulais level up d'un coup? Bah, il y a 50 niveaux, donc peut-être, mais... Ce qui est bien, c'est que au moins, ça veut dire que ce sera beaucoup plus compliqué pour le level up. Les... Donc ça, c'est... C'est pas mal, c'est pas mal. C'est une très très bonne info, ça. Faut s'y faire à ces adversaires qui pop et dépop en même temps et repop deux secondes après. Genre. Sympa comme ennemi, j'aime beaucoup le style genre. J'espère qu'on pourra en apprendre un peu plus sur leur moyen de téléportation. Notamment par le lore. Allez, on ouvre. Fermé. Cherchons un autre passage. Ok. Thank you.
Ok, bon. On va éviter ce genre de truc, Bungie, s'il vous plaît. À un moment, je me suis cru dans un alien, là. Je me suis fait une frayeur, là. J'ai cru que c'était un... Enfin, oui, c'est un alien, oui. C'est totalement métamorphosé, bizarre et étrange. C'est un déchu à la base, mais... Alors, le problème, c'est que... C'est comme des boomers. Donc ça veut dire que s'ils se rapprochent trop de moi, ils vont me faire mal. J'ai envie de tester quand même, tu vois, genre savoir combien je prends de dégâts, mais ce serait un peu débile, tu vois. Ok. Ça c'était proche, ça. Cette mission me fait penser à D1. Littéralement, genre, t'as l'impression d'être toujours dans la en problématique et genre, t'es tout le temps en train de reculer. Dans les premières missions de D1, c'était ça. Et ça, c'est cool. Oh. La spectre de Cade. Elle est morte. Sans spectre, Cade mourra. Ah, d'accord, ok. C'est l'explosion du spectre qu'on a ressenti, d'accord. Il disait bien que c'était par là, mais la flèche indiquait de notre côté. What the heck is that shit? Et vous là, monsieur? Ça suffit! C'est cru chez sa mère, lui! On va se calmer tout de suite. Ok, j'ai rien dit. Je pensais que j'allais vous one-shot très très vite, mais pas du tout. Ça part un petit peu en cacahuète, là. Oh là 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 là. Oh. Il est venu proche lui. Et lui aussi il s'approche lui. Oh non mais c'est trop chiant! Comme tous les boss, si tu les tues, les autres tombent. Let's go! Tenez bon, Kate, nous arrivons. Oui c'est vrai, il faut aller sauver Kate. J'arrive! Ah mince là. Il n'a rien senti. Comment sont mes cheveux? Merde. Quoi, on enlève pas notre casque là? Pour changer. Oh, il souligne le fait qu'on ne parle pas.
Pour Cade. Cette scène a mis des frissons, c'est un délire. Il faisait de mauvaises blagues. Et son sens du timing était encore pire. J'essayais bien de rigoler. Vraiment. Nous aurions dû être là pour lui. Ce n'est pas de votre faute. C'est Uldrensov qui est responsable. Mais s'il croit que c'est fini après avoir fait ça, il se trompe. Ce n'est que le début. Nous allons l'affronter. Vous m'entendez? Nous tous, chaque titan, chaque arcaniste, chaque chasseur, nous allons prendre le récif d'assaut. Nous placerons la tête de ce salaud sur son trône qui lui est si cher. Pour notre escouade. Pour Cade. Non. Qu'est-ce que vous avez dit? Nous ne sommes pas une armée. Nous ne sommes pas des conquérants. Et après, vous avez prêté allégeance aux titans. Nous sommes des gardiens. Nous devons garder les pieds ici. Sur notre terre, pour notre peuple, notre voyageur. Le récif était déjà perdu le jour où sa reine a disparu. Si un autre Soph veut un champ de pierre sans vie, qu'il le garde. C'est de Cade que l'on parle. Si on ne fait rien, nous ne sommes que... Dites-le. Des lâches. Je refuse d'avoir à enterrer d'autres amis. Vous n'aurez pas à le faire. Je m'occupe d'Uldrensov. Here we go, baby! Allons venger notre cher ami Cade. Ok. On est donc arrivé à la tour. Et je pense qu'on va conclure sur ça. On va se laisser là parce que moi j'étais parti pour faire tout, j'ai l'impression. Parce que j'étais en mode genre je suis bien là dans ma petite campagne. En tout cas, c'est ici qu'on va se laisser. J'espère que vous avez apprécié ce premier épisode de cette aventure de Destiny 2 sur Destiny 2 Renégat. Dites-moi ce que vous en avez pensé dans les commentaires. Est-ce que vous avez déjà terminé la campagne? Ce qui est possible, hein, si vous êtes un gros tryhard d'or fou, c'est possible. Hein. Et dites-moi, voilà, qu'est-ce que vous avez ressenti au moment où bah, vous avez vu cette scène? Parce que là... En vrai, genre, moi, je suis pas bien. Je suis pas spécialement bien. Mais bon, voilà, il faut s'y faire. Et on se retrouve bah, demain, même heure, je pense, pour bah, un nouvel épisode, tout simplement. Allez, à plus.